donc présenter Marie Polia, l'intervenante suivante. Alors, Marie Polia s'intéresse en général au sermon latin, avec un intérêt particulier pour l'exégèse homilétique et l'interaction entre les commentaires bibliques et les contextes. Elle a préparé sa thèse à Lyon, qui est publiée dans la collection des études augustiniennes, sous un titre qui illustre bien ce centre d'intérêt, « Augustin exégète et prédicateur dans les sermons sur Matthieu ». Alors, de fait, elle collabore à beaucoup de travaux qui ont Augustin comme centre d'intérêt. Mais cependant, Marie travaille également sur Césaire d'Arles. Et donc, par ce biais, elle a participé, ou elle a élaboré, j'ai perdu ma ligne, pardon, ses travaux voilà, sur un volume de sermons, de Césaire d'Arles sur l'Ancien Testament. J'avais perdu ça, voilà. Qui donc seront édités dans les sources chrétiennes et qui entrent dans le grand projet d'édition de l'œuvre magistrale de Césaire, et qui vont sans doute participer au projet pour le déclarer docteur de l'Église. Donc, à cette occasion, nous avons eu la chance d'être voisines de bureau pendant l'année où elle a préparé ce volume aux sources chrétiennes. Marie connaît donc bien Césaire et elle va nous entretenir de la communion, pardon, oh, décidément j'ai perdu tous mes... de l'expérience synodale de Césaire d'Arles sous ses formes et ses enjeux. Alors je dois dire, parce que je l'ai oublié, qu'elle nous vient de l'université de Leuven. J'ai perdu toutes mes lignes là, j'avais mis plein de chiffres, des renvois, tout ça, puis j'ai mis tout à l'envers. Mais c'est pas grave. Elle est donc postdoctorante à l'Université catholique de Louvain. Pardon. Merci beaucoup Marie pour la présentation, merci aussi pour l'invitation, et c'est bien sûr une très grande joie pour moi de parler ici, devant un public composé en partie d'anciens enseignants, de collègues, que j'ai grand plaisir à retrouver. Alors, l'expérience synodale de Césaire d'Arles, forme et enjeu. Nous avons rendu grâce à Dieu de ce que, selon l'habitude de son affection, il avait jugé bon de permettre à ses serviteurs de se rassembler en synode, pour le seul plaisir de leur parfaite charité, et tout autant parce qu'il désirait s'y rencontrer. C'est par cette action de grâce que s'ouvre le concile de Vaison en 529, et elle place immédiatement l'expérience synodale de Césaire dans un contexte bien particulier, celle d'une joie partagée. Alors, qui est Césaire en deux mots? Un voisin. Il naît en 470 à Chalon-sur-Saône, il devient moine à Lérins, excès d'assaise, ça arrive. Il se repose en Arles, il y est choisi comme évêque successeur en 502 et il y restera jusqu'en 542. Césaire commence à être connu, Marie l'a dit, en dehors du cercle des spécialistes, pour deux raisons particulières. Tout d'abord, sa participation à la vie synodale du sud de la Gaule au début du VIe siècle, et puis sa volonté de permettre aux prêtres et aux diacres de prêcher ce qui était à l'époque une prérogative épiscopale en Provence. Alors ces deux aspects-là lui donnent un petit côté synodal au sens large, qui a, je pense, conduit les organisateurs à se dire Césaire à sa place ici ce matin. Mais il s'agit malgré tout d'y regarder de plus près, et c'est ce que nous allons faire en trois temps sur ces formes et ces enjeux de la synodalité chez Césaire. Tout d'abord, la collégialité au sens large, le fonctionnement synodal, le rapport aux évêques et puis la délégation au clerc. Ensuite, la synodalité par rapport aux laïcs, un thème que jusqu'à présent on a croisé, mais peut-être abordé moins frontalement. Et enfin, on s'interrogera ensemble dans un dernier temps sur les pierres d'attente théologiques à la synodalité chez Césaire. Est-ce qu'il y a dans sa théologie des éléments qui en fait éclairent
peut-être pas explique, puisqu'il ne l'explicite pas lui-même, cette attitude synodale, point d'interrogation. Alors, tout d'abord, la collégialité. Et en tableau, pour ne pas répéter ce qui a été dit ailleurs et être écrasé sous des chiffres, Césaire a participé à 6 conciles et il a été représenté à un 7e à Valence, le concile en italique. Vous voyez que ces conciles sont de différents types, pastoral, disciplinaire ou doctrinal. Ces conciles sont réunis de manière assez irrégulière dans le temps. Alors, on l'a dit hier, rien n'empêche que des actes de concile aient été perdus ou que des conciles n'aient pas produit d'actes, donc que nous n'en ayons pas trace. Mais il y a des raisons politiques qui expliquent cette irrégularité dans la vie de Césaire. Arles, durant les 40 ans d'épiscopat de l'évêque, a changé 3 fois de gouvernement. Quand Césaire arrive en 502, c'est le Wisigoth Alaric II qui règne aussi sur l'Espagne qui gouverne Arles. Jusqu'en 537, c'est l'Ostrogoth italien Théodoric. Et à partir de 537, c'est le roi franc Childebert, le premier roi catholique d'Arles, qui règne. Donc une instabilité politique. Je vous passe les détails, hein. Il y a de subtils jeux de suffragants, on n'organise pas de concile parce qu'on voudrait, mais ils sont de l'autre côté de la frontière, donc on attend, etc. Alors, avant d'analyser le contenu de ces synodes, une remarque historiographique. En fait, il y a, je crois, 2 manières d'interpréter ce processus synodal chez Césaire, soit comme une preuve objective de la synodalité pour lui, soit comme un moyen d'asseoir ses réformes personnelles et de les diffuser en Gaule via ce processus de la synodalité. Alors sans doute, les 2 éléments sont mêlés. À défaut de pouvoir me situer dans la tête de Césaire, on va analyser un certain nombre d'éléments qui montrent malgré tout comment ces synodes vont conduire à décentraliser, à déconcentrer le pouvoir épiscopal et donc vont plutôt dans le sens d'une synodalité, même si les jeux de pouvoir cléricaux ne sont pas non plus du tout à exclure dans son cas. Alors, première question, la synodalité suffit-elle? C'est une question qu'on a déjà croisée hier. Suffit-il qu'une décision soit synodale pour avoir force de loi, et notamment en matière doctrinale? Alors, on l'a évoqué avec le contexte de l'arianisme hier. En fait, l'expérience de Césaire permet, elle aussi, à sa manière, de poser la question. Et elle le permet grâce à l'année 529, une année durant laquelle sont rassemblés 2 conciles, l'un à Valence et l'autre à Orange, Orange 2 puisque c'est le 2e concile dans la ville. Le sujet de ces conciles, une question très augustinienne, lorsque l'homme se tourne vers Dieu, le fait-il par la nature ou par la grâce? Alors, par chance, le thème du colloque d'aujourd'hui nous évite d'avoir à résoudre la question doctrinalement. Et on peut se contenter d'observer les mécanismes en fait, à l'œuvre dans ces synodes. En effet, Valence ne nous est connue que par la vie de Césaire et puis une lettre dans laquelle le pape Boniface revient sur... à qui on a écrit revient sur le concile, le mentionne. Et Orange 2, lui, va constituer le point définitif sur la doctrine précisément, on dira post-pélagienne aujourd'hui, semi-pélagienne pendant un certain temps, mais là encore, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, du côté de Valence, les pères soutiennent que la foi par laquelle nous croyons au Christ relève de la nature, non de la grâce, alors qu'ils ont admis que tous les autres biens, après ce premier acte, proviennent de la grâce de Dieu. Alors, quelle est la différence entre ces 2 conciles qui, la même année, promulguent chacun des déclarations de foi opposées? Alors, cette différence, malheureusement, elle est difficile à mesurer jusqu'au bout puisque nous n'avons pas les actes de Valence 2. En revanche, on peut observer ce qui, du côté d'Orange 2, complète le processus synodal qui, de ce fait, ne se suffit pas à lui-même dans l'élaboration de la définition doctrinale. Le premier point, c'est l'écriture, mais comme on l'a largement évoqué déjà hier, on pourrait citer en fait tous les actes. Je reviens simplement sur le début, l'ouverture, la déclaration préliminaire de ce concile d'Orange II.
dans lequel est articulé ce qui a été décidé en ce synode, avec le siège apostolique, l'ensemble de l'Église dans le monde entier, une unanimité bien sûr légèrement construite, et les sentences des saints-pères anciens. Alors le processus d'élaboration d'Orange 2 est un processus extrêmement complexe, les sources ont été scrutées de très près. On ne sait pas si Valence a eu lieu avant ou après Orange, on débat avec ardeur sur le sujet, mais je ne crois pas que ce soit le plus important pour nous aujourd'hui. En revanche, Césaire a soigneusement préparé ce concile-là. Il le prépare en rassemblant un dossier patristique, des textes qui sont probablement du pseudo Jean-Maxence, un moine scythe du 5e, 6e siècle. À Rome, on abrège ces textes, on les renvoie à Césaire. Il complète le tout de sentences de Prosper d'Aquitaine, d'une profession de foi. C'est discuté, approuvé à Orange. Césaire renvoie à Rome. Rome approuve. Césaire complète par annonce un nouveau dossier patristique, les fameuses sentences des saints-pères anciens, pour montrer qu'il n'y a pas qu'Augustin qui a parlé de la grâce en ces termes, mais aussi Jérôme, mais aussi Ambroise, mais aussi tout le monde, ou presque, à l'écouter. Et c'est cet ensemble-là qui constitue les actes du Concile d'Orange II. Et puis, l'autre élément qui intervient, on l'a évoqué aussi rapidement hier, c'est les processus de réception. Alors, je cite ici Bernard Sesbouet. La réception ne se substitue pas, écrit-il, à l'autorité légitime qui a pris une décision. Néanmoins, elle apparaît nécessaire à la pleine garantie que la détermination en question soit une authentique expression de la foi. Donc, à Orange 2, on ne sait pas ce qu'il en était à Valence, mais en tout cas, on a cette interaction entre synodalité, écriture, interaction avec Rome, qui à cette période-là ne fait probablement plus partie du processus de réception, mais est déjà une intervention magistérielle, même si là aussi c'est discuté. Enfin, je vous renvoie aux analyses de Bernard Sesbouet. Et l'unanimité de l'Église géographique et l'inscription dans la tradition. Donc une synodalité qui, pour Césaire, ne suffit pas qu'on se rassemble pour que le texte promu ait valeur doctrinale. Alors, la synodalité encadrée, la synodalité qui encadre elle-même le pouvoir des évêques. Et le premier élément, c'est une obligation de la synodalité elle-même. On l'a vu hier avec au Concile de Nicée, ces rassemblements deux fois par an, à Pâques, le temps pascal et en septembre. Les conciles de Césaire sont moins précis, mais le Concile d'Agde en 506 demande qu'un synode soit convoqué chaque année. Et les évêques, les suffragants, sont normalement obligés de se rendre à ce synode lorsqu'ils sont convoqués par leur métropolitain, sous peine d'excommunication jusqu'au prochain concile. Voilà. Alors, que penser de cette obligation de la synodalité que ces conciles rendent obligatoire? Est-ce, là encore une preuve de l'importance de la synodalité pour Césaire, est-ce un moyen d'asseoir son autorité en faisant voter régulièrement ses propres réformes? Point d'interrogation. En tout cas, la synodalité est obligatoire. Et l'un des domaines dans lesquels elle encadre le pouvoir des évêques, au hasard, c'est la gestion des affaires économiques. Alors, dans la version écrite, le cas échéant, vous trouverez tous les détails sur la manière dont les évêques doivent administrer ou non les biens, mais c'est en tout cas un point sensible déjà à l'époque. Et vous voyez ici un tableau sur lequel, alors on ne sait pas précisément quel est le concile représenté ici, mais il pourrait s'agir du concile de Marseille en 533, où l'évêque Contum Eliosius a été condamné, alors pour problème de mœurs, et puis pour vente non autorisée par un concile de biens d'église. Enfin, dernier point sur cette synodalité au niveau des évêques, la décentralisation des pouvoirs des évêques au profit des clercs. Alors ça passe, mais là aussi, je laisse de côté par une clarification des missions respectives des évêques, des prêtres et des diacres dans plusieurs domaines, et puis une attention à la qualité
du clergé, l'âge de recrutement, et puis la chasteté des clercs mariés, la séparation du lit de l'épouse, etc. Enfin, je m'arrête plus longuement sur ce pourquoi Césaire est particulièrement connu, à savoir cette ouverture de la prédication aux clercs. Deuxième canon du Concile de Vaison, 529 également. Nous avons décidé, pour l'édification de toutes les églises et pour le service de tout le peuple, de donner aux prêtres la possibilité de prendre la parole dans les églises. De plus, si un prêtre, empêché par quelque infirmité, ne peut pas prêcher par lui-même, que les homélies des saints-pères soient proclamées par les diacres. En effet, si les diacres sont dignes de lire ce que le Christ a dit dans l'Évangile, pourquoi seraient-ils jugés indignes de proclamer publiquement les exposés des saints-pères ? Bref, les prêtres peuvent également prêcher et les diacres peuvent lire des sermons patristiques, et c'est la particularité des sermons de Césaire que d'être nourri. Enfin, il reprend en fait un très grand nombre de textes de ses prédécesseurs. Jusqu'à présent, je détestais Césaire, puisque quand Césaire cite un sermon d'Augustin, il ne reste d'Augustin que ce qui intéresse un public provençal qui n'écoute pas très longtemps au VIe siècle, à savoir fort peu de choses. Alors, par chance, j'ai pu me réconcilier avec Césaire en découvrant les motifs et puis en m'interrogeant sur les choix qu'il fait. Et d'un seul coup, son travail sur Augustin devient intéressant. Mais heureusement. Bref, donc les sermons de Césaire qui reprennent ces sermons patristiques pour les mettre à disposition des prêtres ou des diacres. Alors, cette décision met fin au monopole que les évêques avaient en Provence pour prêcher. Et on remarque que le nombre de signataires du Concile de Vaison, de signataires évêques, est légèrement moindre que celui des autres conciles. Alors l'une des hypothèses, c'est que cette délégation, cette déconcentration, cette décentralisation n'a pas forcément été appréciée. Mais peut-être aussi qu'ils étaient occupés ailleurs. En tout cas, ce concile-là, à ce moment-là, s'inscrit en opposition avec la décision du pape Célestin Ier, qui avait demandé un siècle auparavant que les évêques de Provence arrêtent de se décharger sur leurs prêtres de la charge de la prédication. Alors là aussi, les raisons étaient à la fois doctrinales, à la fois politiques, assez complexes, mais qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, un concile provençal va s'inscrire en opposition, en fait, avec le siège de Rome? Là aussi, c'est une autre question que permet de poser Césaire. Alors, ce qui est sûr, c'est que Césaire ne demande pas, enfin, ne veut pas que les évêques se déchargent sur leurs prêtres de la charge de la prédication. Et alors là, si vous voulez vous amuser, vous relisez le sermon 1 de Césaire, fort mal nommé mais très bien placé. Fort mal nommé parce qu'il s'agit d'une lettre circulaire que Césaire a envoyée à ses suffragants pour préparer le concile de Vaison, mais très bien placé, puisque Don Morin, l'éditeur, le premier éditeur des sermons de Césaire, l'a placé en tête de tous les sermons de Césaire, précisément parce qu'on y trouve sa conception de la prédication. Donc, dans ce sermon 1, on a une réfutation magistrale de toutes les objections épiscopales à la prédication. Certains prétextent devoir cultiver leur terre, puisque il n'y a pas la pauvreté comme dans le monastère d'Hippone qu'on vient de voir. Pour, disent-ils, pouvoir faire des aumônes, c'est important les aumônes, ou peut-être s'interroge Césaire pour banqueter, et surtout qu'il se rappelle que l'aumône n'est pas seulement matérielle, mais qu'elle est aussi spirituelle, donc la prédication est aussi une aumône. Que ceux qui disent manquer d'idées se contentent de répéter les admonitions de l'Écriture. On a le paragraphe 12 de ce sermon, qui est en fait un sermon pour les nuls. On a une reprise textuelle, enfin voilà, une préparation pour évêques et qui manquerait d'idées. Enfin, et là c'est un lieu commun patristique, que ceux qui se plaignent d'un manque d'éloquence se souviennent que le Seigneur n'a pas choisi des rhéteurs, mais des pêcheurs. Et on sent même en français le jeu de mots, alors là, qui plaît beaucoup au Père. Donc il ne s'agit pas de se décharger de la charge de la prédication, mais il s'agit de faire face à des besoins pastoraux nouveaux, puisque avec l'évangélisation des campagnes,
l'évêque ne pouvait plus prêcher dans toutes les paroisses régulièrement dans l'année. Et donc c'est pour l'édification de toutes les églises et pour le service de tout le peuple que j'ai mis en exergue sur le texte ici. Bref, et puis enfin, Césaire, à d'autres endroits, rappelle que le fait que les prêtres prêchent a lieu dans d'autres parties de l'Empire et sous-entend que ça avait également lieu en Provence. Donc il se revendique cette fois-ci pour s'opposer à Rome de besoins pastoraux nouveaux, on dirait peut-être mission aujourd'hui, et puis d'une inscription plus large dans la tradition. Alors une déconcentration par rapport aux évêques, un encadrement des synodes et une délégation de certaines de leurs missions. Qu'en est-il de la deuxième, du deuxième aspect contemporain de la synodalité par rapport aux laïcs ? Alors tout d'abord, ne nous en déplaise, Césaire ne remet pas du tout en cause la hiérarchie, même s'il lui arrive dans ses synodes d'encadrer les pouvoirs des évêques par rapport aux laïcs, mais là aussi, je passe. En revanche, je relève simplement là aussi un lieu commun patristique sur le fait que Césaire présente le ministère épiscopal au sens littéral comme un service. Il le fait avec toute une série d'images dans son sermon 1. J'ai choisi celle qui me semblait la plus ancrée dans un contexte, précisément celle du cultivateur. Il est certain que les évêques ne sont pas ordonnés pour être seulement intendants agricoles ou cultivateurs, mais pour s'adonner à la culture spirituelle dont parlait l'apôtre. J'ai planté, Apollos a arrosé, et la suite. Si dans nos jardins potagers, nous voulons avoir des eaux d'irrigation, et si nous sommes prêts, quand il n'y en a pas à la surface, à en extraire des profondeurs à grand travail pour faire pousser des légumes, avec combien plus de soins devons-nous veiller sur le jardin du Seigneur, c'est-à-dire l'Église de Dieu, afin que grâce aux fleurs des Saintes Écritures, aux ruisseaux et aux sources spirituelles des anciens pères, soit irrigué ce qui est aride, ameubli ce qui est dur, et ensuite, sans grand travail, déraciner ce qui est nuisible et planter ce qui est utile. Donc, on remarque quand on étudie le traitement de chacune de ces images, en fait, deux éléments qui arrive pour contrebalancer cette supériorité réelle, enfin quand l'évêque est cultivateur par rapport aux fidèles laïcs, c'est cette responsabilité de l'évêque par rapport aux fidèles, et puis ce qui apparaît ici en filigrane et de manière plus claire ailleurs, la mission là encore du salut, planter ce qui est utile. Donc une responsabilité pour le ministère épiscopal. Mais les laïcs sont-ils seulement la cible des bons soins de leur évêque? Manifestement, dans l'histoire de Césaire, pas uniquement. Et on trouve à différents niveaux une participation, encore je reprends des termes contemporains, des laïcs à la vie et à la mission de l'Église. Et tout d'abord, un fait qui a sans doute eu lieu à d'autres moments, mais je ne crois pas qu'on ait évoqué encore, la signature de laïcs au concile d'Orange II, parce que les actes de ce concile, donc sur la grâce, sont un remède non seulement pour les hommes consacrés, religiosi, mais aussi pour les laïcs. Ils sont concernés par ce qu'il dit, ils signent. Le deuxième élément de cette participation des laïcs, c'est le fait que les laïcs sont invités à stimuler, on pourrait dire à déranger, leurs évêques. Et Césaire le fait avec une image patristique là encore, mais malgré tout savoureuse, qui est celle des prêtres ou des évêques vaches et des fidèles veaux. Les prêtres dans l'Église ressemblent aux vaches et le peuple chrétien en figure les veaux. Les vaches broutent les fleurs pour préparer le lait. Les prêtres lisent l'Écriture pour en extraire le lait spirituel dont parle Paul. Les deux mamelles de la vache, alors un relecteur attentif m'a fait remarquer que la vache avait deux fois deux mamelles, mais par chance, l'image fonctionne encore grâce au chiffre pair. Les deux mamelles de la vache désignent donc les deux testaments qui doivent nourrir les chrétiens. Et si les vaches viennent parfois vers leurs veaux pour les nourrir, il arrive bien plus souvent que les veaux viennent déranger leur mère, et les mères les laissent très volontiers faire pour que leurs veaux grandissent. De même que leurs fils, pour le salut de leur âme, harcèlent leurs évêques et leurs prêtres de questions continuelles,
De la sorte, tandis qu'est accordée la grâce divine au fils qui frappe, une récompense éternelle est préparée aux prêtres qui révèlent les secrets des saintes écritures. Donc un intérêt commun, un salut commun, s'ils le font. Enfin, dernier élément, dans les textes de Césaire, on trouve un certain nombre d'analogies entre les missions des clercs et les missions des laïcs. D'analogies, hein, pas de superposition stricte. Il invite les uns et les autres à cultiver leurs âmes, alors je laisse de côté. Il les invite aussi à lire personnellement les Écritures. Il le fait notamment dans le sermon 6, qu'il commence en regrettant de ne visiter cette paroisse-là que 2 ou 3 fois l'an. Et donc pour compenser ce manque, il invite les auditeurs à lire l'Écriture. Et alors là, cette fois-ci, il réfute les objections des fidèles. Si l'on arrête les bavardages vains, les dîners copieux qui emmènent au bout de la nuit, nous aurons tout à fait le temps de lire l'Écriture. On peut même lire en mangeant, où on sustentera à la fois le corps et l'âme, comme on fait d'ailleurs à l'évêché de Césaire. Lorsque les nuits sont longues l'hiver, qui ne dormirait tant qu'il ne puisse dégager 3 heures pour lire l'Écriture chaque nuit? Et enfin, les commerçants utilisent bien des esclaves pour faire leur compte. Si vous ne savez pas lire, employez donc un esclave pour vous lire l'Écriture. Donc, cette incitation identique, on la trouve dans le sermon 1 à l'usage de ses frères évêques. Et le dernier point, Césaire invite les fidèles laïcs, non pas à prêcher, la question n'est pas là, mais à répéter auprès de leurs frères ce qu'ils ont entendu de la prédication de l'évêque, à s'en faire les répercuteurs. Alors, on le trouve à la fin du sermon 6, la récapitulation du sermon se fait de cette manière-là. On le trouve aussi, et c'était plus court, donc c'est le texte que j'ai choisi, dans la vie de Césaire. « Si tu aimes la parole de Dieu, tu gardes certainement dans ton cœur ce que je t'ai inculqué. Ce que la charité du Christ a attaché en toi, tu dois en retour le partager toi-même généreusement avec l'ensemble des hommes. Et tu dois le faire non seulement à tes amis, à tes parents, mais aussi à tes esclaves. » Alors, je passe et j'avance. Un dernier point sur lequel on pourrait voir la collaboration synodale entre Césaire et les laïcs, c'est tout ce qui concerne la diaconie, le service des pauvres. Césaire est connu pour un certain nombre d'initiatives en leur faveur, notamment en faveur des captifs. Il avait organisé ou mis en place toute une organisation pour permettre le rachat des captifs. Avec les guerres, les sièges, il y en avait un très grand nombre en Provence. Et vous avez ici, ici sur l'écran, la réaction des pensionnaires de l'évêché, un jour où Césaire avait fait vider les greniers pour nourrir les captifs. La réaction de Césaire, parce que les pensionnaires, eux, sont plutôt inquiets de la perspective de repas plus légers à venir. Enfin, on pourrait aussi, dans cette perspective-là, analyser les relations entre Césaire et puis le préfet des Gaules, Libère. Voilà, ils ont interagi pendant une trentaine d'années. Mais je passe pour en venir rapidement aux pierres d'attente théologiques de la synodalité chez Césaire. Alors, je n'ai pas utilisé le site internet de la Conférence épiscopale des évêques de France pour préparer, mais un document de la Commission théologique internationale appelé « La synodalité dans la vie et la mission de l'Église » en 2019, pour essayer de voir comment travailler sur ce néologisme post-Vatican II à propos d'un père qui n'avait pas connu le XXe siècle. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que ce document insistait au départ sur le renouveau théologique de Vatican II qui a permis en fait cette éclosion de la synodalité. Et ils insistaient en particulier sur cette ecclésiologie du peuple de Dieu, donc de Lumen Gentium, qui aboutit à cette synodalité. Alors, simplement, chez Césaire, il me semble qu'il y avait 2 éléments qui, en tout cas, constituent autant de pierres d'attente théologiques à cette synodalité. La première, c'est la fraternité. Alors, c'est aussi pour moi une joie de citer Michel Dujarrier, que vous aviez écouté dans une autre petite journée sur Césaire à La Rochelle. L'Église est désignée par le nom propre fraternité chez Césaire. Césaire présente la figure du Christ frère de tous, des évêques et des laïcs. Et vous voyez ici simplement un texte dans lequel l'apostrophe récurrente
dans les sermons fratres carissimi, frères très chers, se trouve employé dans un moment où est évoqué le salut commun octroyé par le Christ aux évêques et aux fidèles. Donc tous les deux sont d'abord bénéficiaires et en cela son frère. Nous qui avons été cherchés et trouvés, cherchons celui qui nous a tant aimés. Second temps, la théologie des ministères. Alors cette théologie des ministères chez Césaire, on la trouve dans trois sermons, classés par Don Morin sous les numéros 230-232. Le sermon 230 est le plus personnel à Césaire. Les 231 et 232 sont en fait constitués d'extraits de sermons d'Augustin. C'est le sermon 340 d'Augustin qui est repris dans le sermon 232, on y vient dans un instant. Alors comment Césaire s'approprie-t-il cette théologie augustinienne qu'il fait sienne hein, lorsqu'il choisit Augustin, c'est qu'il considère que l'élément est percutant pour lui et pour sa propre communauté, sinon il élague très allègrement. Tout d'abord, ce ministère est pesant, et on le trouve dans ce sermon 231, dans un commentaire de la parabole des talents. Simplement ce petit passage où Augustin, puis Césaire, regrettaient le bon temps où ils n'avaient rien d'autre à faire que de contempler Dieu. Rien n'est meilleur, rien n'est plus doux que de sonder le trésor divin sans bruit extérieur. Prêcher, reprendre, corriger, édifier, s'inquiéter pour chacun. Quelle charge, quel poids, quel labeur. Qui ne fuirait ce labeur ? Mais l'évangile m'épouvante. Ce qui allège ce fardeau épiscopal, c'est la réciprocité entre évêques et laïcs. Allégez donc, frère, mon fardeau, portez-le avec moi, vivez bien, car le fardeau, ce sont les deux dernières lignes dont je parle en ce moment. Qu'est-il d'autre que vous-même ? Donc, on trouve ici vraiment cette réciprocité, cette responsabilité mutuelle exprimée non plus avec des images, mais en termes théologiques par Césaire Augustin ou Augustin Césaire. Et enfin, j'ai eu la surprise de découvrir dans ce sermon 232 de Césaire, 340 d'Augustin, la fameuse phrase d'Augustin « Pour vous, je suis évêque, mais avec vous, je suis chrétien ». Quand ce que je suis pour vous m'épouvante, ce que je suis avec vous me console. Car pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien. Le premier nom rappelle le service que j'ai reçu, le second la grâce. Le premier indique un danger, le second le salut. Si donc avoir été racheté avec vous me cause plus de joie que d'être placé à votre tête, je n'en serai que davantage votre serviteur, comme l'ordonne le Seigneur, pour ne pas payer d'ingratitude celui qui m'a obtenu d'être avec vous son serviteur, conservus. Et on le retrouve, c'est un lieu commun augustinien, mais l'évêque se positionne non comme celui qui dispense sa propre parole, mais dans celui qui puise, comme les auditeurs, à la même source, le trésor commun, le cellier commun du père de famille, dont il dispense une nourriture, mais dont il se nourrit lui-même comme membre du peuple de Dieu. Nous avons à nourrir ceux qui partagent notre pauvreté, cum pauperes. Je vous nourris de ce dont je suis nourri. Je suis un ministre, je ne suis pas le père de famille. Je vous sers ce dont moi aussi je vis, ce qui vient du trésor du Seigneur. Donc, mais c'est extraordinaire, c'est exactement ce qu'il faut pour conclure, puisque dans cette assemblée, j'imagine que tout le monde connaît par cœur le numéro 32 de Lumen Gentium, dans lequel, en fait, si on y regarde, on retrouve tous les thèmes théologiques qui constituaient chez Césaire les pierres d'attente à cette synodalité, puisque lui n'explicite pas. Un peuple de Dieu, une commune dignité, une véritable égalité, une union, une communauté de rapport, j'ai parlé de responsabilité mutuelle. Ils ont pour frère le Christ et l'appui patristique dans la tradition pour enraciner ce renouveau. Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien. Je conclus donc en reprenant simplement certains des enjeux que nous avons croisés ensemble
et qui mériterait sans doute chacun d'être approfondi à part entière. L'interaction synodalité, écriture, Rome, j'ai été très prudente dans les termes, tradition et réception, un but commun, le salut ou la mission, une décentralisation des pouvoirs devant ce but commun, la prédication des clercs, la participation des laïcs sous une autre modalité, mais avec effectivement des tâches communes qui se retrouvent. Et enfin, de manière, c'est l'élément qui m'a moi le plus surprise en travaillant, cette ecclésiologie du peuple de Dieu. Césaire n'avait pas connu Vatican II, mais bien sûr ici, on sait tous que le renouveau patristique a nourri Vatican II, et donc à racines communes, on a des floraisons non pas identiques, non pas même similaires, mais à tout le moins analogues. Je vous remercie.